Salut tout le monde et bienvenue à ce nouveau Let's Play de Aliens Colonial Marines sur PC. Ici saison 44, on va commencer un nouveau Let's Play, une nouvelle partie, un nouveau épisode, ou bien un nouvel épisode comme on dit. Donc voilà, ça fait longtemps que j'attendais le jeu et il promet beaucoup vu que c'est un éditeur de Sega. Et ainsi l'éditeur aussi qui a contribué au jeu, c'est Gearbox, l'un des créateurs de Borderlands. Donc voilà, je m'attendais beaucoup à voir ce jeu venir sur PC. Donc voilà, j'ai les mains sur et on va commencer une nouvelle campagne. Et je vous assure que je suis quelqu'un qui est vraiment très très accro au jeu, ou bien à la saga Aliens si vous avez regardé les films. Donc sans tarder de plus, allez, on va commencer la première mission et on va commencer une nouvelle mission puisque j'avais une mission en cours. C'était histoire de faire le test. Donc voilà, on va écraser l'ancienne et on va commencer. Démarrer la partie avec la difficulté soldat. Voilà, et on écrase. J'espère que vous allez très bien et que la série va vous plaire. Caporal Dwayne X, TQ404821-5E9-SOS. Mon unité a subi énormément de pertes sur LV-426 et demande des secours immédiats à bord du USS Sulaco. Parmi les survivants, moi-même, deux femmes humaines, dont une enfant, et un synthétique dans un état catastrophique. Considérez tous les marines coloniaux envoyés sur LV-426 comme morts au combat. Je répète, tous les marines envoyés sur LV-426 sont morts au combat. Voilà, c'était un message de détresse. Allez, on se bouge, Marine. C'est pas un exercice. Vous êtes plus à la maison, là. Debout, Marine. Pour les nouvelles recrues, je suis le commandant Cruz. Et vous êtes mon unité sur le USS Sephora. On a répondu à un signal de détresse envoyé il y a 17 semaines par l'USS Sulaco. Rhino 2-3 s'y est rendu et y a rencontré une forte résistance. Vous êtes le dernier bataillon qui sort de Cryo. Alors je veux pas vous entendre vous plaindre, vu qu'on vous a laissé faire la grasse mat. Préparez-vous au combat, et on se retrouve dans le hangar d'ici 20 minutes. Nom et grade. Caporal Christopher Winter, 118e bataillon affecté à bord de l'USS Sephora. Caporal Winter, j'envoie Rhino 2-1 à la rescousse de 2-3. Comment ça va, fiston? Je vais bien, chef. Mais je m'inquiète pour 2-3. Tant mieux, parce que vous allez prêter main forte à Rhino 2-1. Ils essaient de récupérer la boîte noire du Sulaco pour qu'on voit ce qui a provoqué tout ça. Que s'est-il passé ici, chef? C'est chié dessus. Votre attention, équipage de l'USS Sephora! En ce moment même, Rhino 2-1 et Rhino 2-3 sont en train de se battre pour pouvoir maîtriser la situation. On n'abandonne pas de marine. Dans les deux prochaines heures, nous enverrons une série de transporteurs pour évacuer les blessés de l'USS Sulaco. Chef, le Sulaco a été vu pour la dernière fois sur le Fury 161. Qu'est-ce qu'il fout sur cette planète? Lieutenant Reed, merci de m'avoir interrompu. On ignore comment ce vaisseau est retourné là-bas. Pour l'instant, on s'occupe de ce qui est en train de tuer nos marines. La situation est incertaine. On aura les infos au fur et à mesure. Allez, bonne chasse, Marine. Jusqu'à la mort! À la mort! Écoutez, tout ce que je veux, ce sont des informations. Alors jouez pas trop les héros. Va falloir être mes yeux sur ce coup-là. Vous devez tout me rapporter, que je sache ce que j'affronte. Compris. Dites à Rhino 2-1 que je me rends sur place. Ce sont vraiment très intéressants, puis voilà.
dirais bien qu'on va commencer notre première mission. Il me semble bien que le jeu est divisé entre plusieurs missions qu'on va découvrir ensemble. Donc voilà. Avec un petit briefing du jeu, donc on a le bouton E pour utiliser ou bien activer les différents mécanismes. Donc on va à l'intérieur, on va ouvrir la porte. Voilà. Un long pont. Putain, Winter, qu'est-ce qui s'est passé? Raider 6-5, est-ce que vous avez décollé? Décompression explosive dans le sous-laco. Ici Raider 6-5. Le cordon ombilical se vide dans l'espace. C'est délicat. Délicat? Raider, va falloir être plus précis. Vous avez 20 minutes avant que tout s'effondre. Il faut le fermer. Winter, vous avez entendu la dame? Allez de l'autre côté pour qu'on puisse le fermer. Je continue vers le sous-laco. Winter, terminé. Donc on joue avec un des personnages de Winter, c'est un des marines spatiaux. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi, mais ils se sont rendus pour une appel de détresse dans un vaisseau spatial où leur unité de marines ont été attaquées, ils se font en train de tuer. On est là pour percer le mystère. Il nous faut un infirmier tout de suite pour les marines touchées de Rhino 2-1. Négatif 2-1. Cette explosion a baisé le sas. Impossible d'utiliser le cordon ombilical sans risquer nos vies. Restez sur place et maintenez nos marines en vie. 2-1, quelle est la situation de 2-3? Winter, on dirait qu'il t'a mis dans le même foutoir. Active ton détecteur de mouvement et dis-moi ce que tu vois. Donc voilà, pour le détecteur de mouvement. Et 2-3 va vers le sud, au-delà du hangar ou de l'ingénierie. Il se déplace? Non. Minute! Je perçois un signal inconnu. Quelque chose en mouvement. Merde. Commandant du Sephora, on dirait que 2-3 maintient sa position. Ou qu'ils sont morts. On détecte des mouvements non identifiés dans la zone. Ils se font peut-être attaquer. Donc nous avons le bouton A pour activer notre détecteur. Qui sert à détecter tous les mouvements inhabituels autour de nous. Commandant du Sephora, je fonce au point de rendez-vous avec 2-3. Rappelez-vous de pas trop jouer les héros. Chef, il y a la moitié d'un synthétique non identifié explosé sur tout le pont. Quelle moitié? La moitié qui dit rien. Alors trouvez-moi celle qui parle. Terminé. Bon, on dirait bien que cette personne a été coupée en deux, mais bon. Eh bien, allons-y, on doit se rendre ici. Faut toujours de temps en temps utiliser le détecteur, histoire de... d'être toujours à coup sûr de détecter de ce qui est anormal qui bouge. Peut-être qu'il y a des ennemis qui peuvent être aperçus de loin. Donc voilà. On avance et on avance. Je trouve que le décor du jeu est assez intéressant. Assez bien réalisé. Voilà, on ferme derrière nous. Toujours... il y a cette peur que je sois vraiment surpris, parce que je sais que à l'avance le jeu va nous réserver pas mal de choses. Des caissons d'hypersommeil éjecté. Sympa le réveil. Sympa le réveil. Donc le jeu va nous réserver pas mal de... Wow, wow! Vous avez vu ça? Quelque chose est monté par là. Quelque part. Donc pour le moment, nous n'avons pas le choix que de partir par ici. Et cette porte est bloquée, donc on va la découper. Découpage en cours. 99% erreur. Pour ceux qui se font toujours chier avec ça. Et puis surprise, surprise. Putain de merde. Vous avez vu, chef? Ah bah tiens. On dirait bien que notre détecteur a... détecter quelque chose d'anormal tout près d'ici. Rhino 2-3. On l'a trouvé. Je suis où là? Je suis où là? Wow. Winter, sors ton chalumeau et libère-moi vite de là. D'accord. On va te libérer.
Ouh! Ah! Bute ce truc! Ah! Bute ce truc! Mince, laisse-moi tranquille! Punaise, il est parti. Faire attention. Il dirait bien que nous avons fait rencontre avec le Xeno. Qu'est-ce que... Caméra. On dirait bien que ce sont des espèces d'œufs. On dirait bien qu'une d'entre elles a éclos. Il faut faire attention. On va aller chercher le Xeno. Il est tout près d'ici, il me semble bien. Oh oh, contact. Et voilà, éliminé. Donc voilà, les espèces de Xeno, ce sont les aliens que nous allons devoir affronter au fur et à mesure du jeu. Faire vraiment très attention parce qu'ils sont vraiment très mortels. Dans le jeu, vous pouvez mourir rapidement. Ça, je vous le garantis. Commandant du Sephora, ici Winter. J'ai localisé Keys de Rhino 2-3. Il y a des cadavres ici. Je sais pas où sont les autres. Il manque encore quelques Marines de Rhino 2-3. Ils sont tous morts. Et Garnett. Mort lui aussi. T'en fais pas, je m'occupe de toi. Winter, regroupez ceux que vous trouvez et ramenez-les au hangar avec le reste de 2-1. N'engagez pas. Ici Keys de 2-1, chef. Notre mission était de récupérer la boîte noire du Soul. D'accord. Tristan, je vous ai donné cette mission et c'est tout. Regroupez-vous et On doit savoir ce qui a causé ça. La boîte noire peut nous le dire, avec tout mon respect, chef. Votre respect, c'est de fermer votre grande gueule et de suivre les ordres. Terminé. Punaise. Rien à foutre des ordres. La boîte noire est pas trop loin d'ici. On la chope et on contacte Rhino 2-1. O'Neill, t'es toujours là? Putain, les gars, vous êtes en train de revenir? Non, laisse-nous 10 minutes pour choper la boîte noire d'abord. Nos marines seront pas morts pour rien. 5 minutes pour trouver cette boîte noire et revenir. Keys, fais attention à Bella. Jusqu'à la mort, Marine. Jusqu'à la mort. Merci, O'Neill. Je te remercie, Winter. Et si tu vois du mouvement? Tu réfléchis pas. Tu tires. Avec plaisir. Donc, comme vous voyez en bas à droite, nous avons deux barres. Une barre pour l'armure et une barre de vie. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Nous avons X pour allumer comment dire, la torche. Contact, contact. Attention, ils arrivent. On approche, sur la droite. Ils arrivent. Oula, 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 oula. Je suis en train de prendre de sérieux dégâts. Faut que je fasse attention parce que j'ai perdu une quantité assez importante de mon bouclier. Allons-y. Oh. Faut que je fasse vraiment attention. J'ai plus de bouclier. Voilà. La salle avec la boîte noire est en haut de l'escalier. Je la vois. Éliminé. Jusqu'à maintenant tout se passe très bien. Allons-y. Attention. La console centrale. Prends la boîte noire. D'accord. On va prendre la boîte noire. Voilà, récupérer. Il y a pas mal là. Ouh. Les données de vol sont en route d'ici 2 minutes. Keys, ouvre l'œil. Affirmatif, Winter. Mais on fera la fête plus tard. Reviens ici. Ouh. La boîte noire a sûrement gardé la trace des enculés qui ont fait ça au Sulaco. Si on arrive à la ramener, va savoir ce qu'on va découvrir. La barre en haut, à gauche, je pense que c'est une barre qui indique le niveau d'expérience. Nous avons récupéré quelques pièces d'armure, donc voilà, et quelques pièces... Il nous a dit de ne pas réfléchir et de tirer sur tout ce qui bouge, donc avec plaisir. Voilà. C'est sans problème. Donc il faut faire vraiment très attention parce qu'on peut mourir rapidement ici. Non, mais maintenant si. Allez, on recharge. Reste toujours attentionné. Ouh. Attention, ils arrivent.
Voilà, éliminé. Nous avons aussi des grenades, ou bien des fusils à pompe. Des grenades. Si on peut utiliser le bouton G. Voilà. On peut utiliser le fusil à pompe. Voyons voir, juste histoire pour voir. Voilà. Voilà, et on recharge. On arrivera dans environ une minute. Retour sur le fusil d'assaut. Voyons voir. Voilà. Attention. En train de prendre une sacrée raclée. Voilà. Tiens, tiens, tiens. On a trouvé de quoi se faire le plein des munitions et aussi d'armure. Mais bon, j'ai perdu une petite barre de ma vie. Mais c'est pas grave. On peut survivre. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est une ambiance assez unique. Lancez les grenades. Guise, attends. T'es complètement con ou quoi? Au cordon ombilical. Il y a des mouvements. Allez, faut le suivre. Il y a d'autres survivants. De quoi se soigner. De quoi se remplir la barre du bouclier. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut survivre. Allons-y. Voilà. Il y en a un qui est arrivé par là. Voilà, une grenade pour vous. Voyons voir. Ah, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, éliminé. Oula, faut faire attention. Ça va faire chaud. Voilà, laisse-moi tranquille. Allez, faut bouger. On va les éliminer tous. Ouf. Voilà. Ça, ce que j'appelle de l'action. On a réussi les gars. Unicarino, on se bouge, allez. Tiens. Winter, fonce. Quoi? Eww. Il y a quelque chose qui est sorti de sa poitrine. Pour ceux qui ont regardé le film, ils vont savoir de quoi il s'agit. Il faut maintenant remonter, allez. J'ai pas de contrôle, c'est automatique. Faut pas se faire éjecter dans l'espace, sinon ça serait vraiment trop dommage. Allez, tu peux y arriver, Winter. Bon sang, vite. Vite. Fouh. Allez, ferme la porte pour qu'on soit en sécurité. On a perdu les données de vol. Keys, c'était Keys qui avait la boîte noire. Tout ça pour rien. Ben, on n'est pas mort. Tu vois? C'est déjà ça. Tu as raison, nous sommes toujours en vie, donc voilà, c'est un point de contrôle. Que s'est-il passé dans le cordon ombilical ? Commandant, je vous reçois bien. On a perdu Case. On dirait qu'un truc lui a explosé de la poitrine. Winter est avec vous ? Oui, chef. Une idée de ce qui lui a fait exploser la poitrine ? Toutes nos navettes sont en route pour évacuer les blessés et prêter main forte. Ce qui fait environ 80 marines. Mais on doit leur trouver un endroit où atterrir. Le hangar est libre et on a de la place dans la zone de chargement. Compris. On fonce vers la zone de chargement. 2-1, terminé. Il y a quelque chose qui cloche. Par ici.
D'accord, allons-y. On doit se rendre vers la zone de chargement pour évacuer. On va emprunter un autre chemin. Allons-y, on va descendre. Attention. Je sens que ça ne va pas être du tout un voyage paisible. Sûrement, il y aura d'autres ennemis. Voyons voir. C'est fermé. Verrouillé. Ok. Je ne vous cache pas que après l'explosion, c'est là que je me suis arrêté de faire le test du jeu. Donc, commandant du Sephora, on envoie l'image. Ça après, je connais rien. De marine coloniale. Il y a le logo de la Welland, chef. Putain de merde. Quoi? La date et l'heure sont notées partout après le signal de détresse de. C'est quoi son nom déjà? Caporal X. Commandant, ici 2-1. Qu'est-ce que vous en pensez? Chef, il y a quelqu'un d'autre sur ce vaisseau? Bishop, envoie un signal à la Welland. Pas le temps de se poser le cul et de jouer les détectives. Retournez à la zone de chargement, vous deux. Terminé. Merde, on est baisé. Tu l'as dit. Commandant du Sephora, ici Bella de Reno 2-3. Vous me recevez? 5 sur 5, 2-3. Quelle est votre situation? Je me suis réveillée, j'arrivais pas à respirer. Une espèce d'araignée agrippée à mon visage, chef. J'ai été séparée de mon unité. Des nouvelles du reste de mes hommes? Le reste de 2-3 est présumé mort. Désolé, petite. Les rescapés de Reno 2-1 se dirigent vers la zone de chargement. Vous pouvez vous y rendre, 2-3? Garnett? Keys? J'ai du mal à réfléchir, chef. Je ne suis pas sûre de savoir comment y aller. Vous êtes tout ce qui reste de Reno 2-3. Faites au mieux. Revenez ici vivante. Terminé. Pas mal. O'Neill, qu'est-ce qui va pas? On aurait dit Bella. Il y avait un truc entre nous, voilà. Quel genre de truc? Un truc sexuel. Et fous-moi la paix. Ok, quoi d'autre? Appuie sur V pour faire une attaque de mêlée si un ennemi est sur toi. Une attaque de mêlée fait au bon moment pour pousser à la sommet brièvement. Ça, c'est déjà bien. Donc, attendez juste un petit moment et je reviens. Ok, me revoilà. C'était juste une interruption. J'avais un appel téléphonique urgent à prendre. Donc voilà, on va prendre des munitions puis on va continuer la suite. Voilà. Ouh, il nous a foutu. On sera juste à côté de la zone de chargement. Voilà, un de moins. Et deux. Ils sont où? Allons-y. Ouh, ils font très mal, comme je vous ai dit. Attention, ils arrivent. Voilà. Allez, on avance. J'espère que je vais pas mourir parce que sérieusement, ça serait vraiment trop dommage que ce soit le cas. Ouh, il sort d'où celui-là? Voilà, allons-y. J'espère que je vais trouver de quoi avoir. C'est déjà pas mal. Des armures. Voilà, allons-y. On voit l'intérieur. Voilà, éliminé. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Docteur Conrad, je voudrais. C'est un journal audio, donc le projet met des filles de trouver des armes légendaires, du film alien, blablabla. J'apprécie l'opportunité d'être impliqué dans de telles recherches de pointe. Je crains de ne pas être personnellement capable de remplir mon devoir au maximum. Merci. De la part du docteur Stanton. Au fait quoi? Message non terminé. Allons-y donc, on doit y aller par là. Ils arrivent. Et j'aime bien l'interactivité du décor, c'est époustouflant. On peut même tirer sur des objets et les faire détruire. Ça c'est déjà quelque chose de bien, donc... Ouh, des balles. Mais pas d'armure. Que je trouve vraiment c'est dommage. Ils arrivent.
faire vraiment très attention parce qu'il faut pas jouer les héros avec eux. Donc voilà. Je t'ai eu. Je trouve que l'environnement est assez glauque. Voilà, faut faire vraiment très attention. On va pas jouer avec le feu. Voilà. Ouh, je suis presque mort. Je vais bientôt mourir, je pense. Allons-y. Ouh! Il est où? Faire attention! Ouh! Il est derrière moi. Voilà. Ouh. C'était juste. Je vais y mourir. Mais sérieusement, j'ai besoin de, des pièces d'armure. Voilà. Tout est bien jusqu'à maintenant. Je vais fermer, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Des munitions. Par où on doit y aller? Je pense que je vais m'aventurer un petit peu ici. Ouh, une pièce d'armure. C'est déjà bien. De quoi être safe pour le moment? Ah tiens. Fusil à pompe 2X. Donc ton équipement comprend 4 emplacements d'armes, principales, secondaires et armes de poing. Pour utiliser une arme dans cet emplacement, appuie sur le bouton B pour ouvrir. Pour ouvrir le navigateur des armes, clique sur un emplacement d'armes et la liste des armes disponibles de cet emplacement s'affichera. Clique sur un arme pour équiper. Ok, donc on doit appuyer sur le bouton B. Fusil de X. Il est où? Le voilà. Donc je trouve que je devrais peut-être... Oui, bon, on va tester. Ok, donc B. Principal, secondaire, c'est celle de X. Donc principal, ça sera... Voilà. Ça, c'est déjà mieux. Donc voilà, on va rejoindre notre cher ami. Dont je ne sais pas où il est parti. Il est là. Ah oui, nous sommes arrivés par là, donc on y va par là. Ouh! Je vais y mourir, ok. J'y vais. Voilà. C'est déjà bien comme ça. Allons-y, on doit sortir. Fais vite. Allons-y. Ouf. Ah là là. Le jeu n'est guère facile, mais n'est guère difficile. Faut juste faire attention. Allez, viens par là, O'Neill. J'arrive. Ouh, des pièces d'armure. Ça, c'est déjà bien. Elle ouvre, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Et je vais fermer ça derrière nous. Histoire de rester à l'abri. Donc, qu'est-ce qu'il y a par là? 40 balles, ok. Je vais revenir sur le fusil d'assaut. C'est quoi ça? Commandant du Sulaco, on est arrivé à la zone de chargement. On se rend à la salle des commandes, on peut enfoncer les portes et faire péter ce truc dans l'espace. T'as intérêt à me demander mon avis avant de raconter des conneries? Mais bien sûr. Voilà, allons-y. Est-ce qu'il y a d'autres à récupérer? Rien. Ouh, tu tombes au bon moment, toi. Je lui ai pété la gueule. Ouh, ils arrivent. Faire vraiment très attention. Prudence. Retiens-les pendant que j'ouvre ce truc.
Ça arrive par où? Voilà, venez par là. La porte est ouverte. Voilà. C'est la fête. On ferme la porte, puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire? On sent bien qu'il y a quelque chose à faire ici, quelque part. Mais je ne sais pas où. Ah, voilà. Ici Raider 6-5, j'ai le commandant avec moi. On approche pour l'atterrissage, Winter. Bien reçu? Compris, Raider. Les portes du hangar se ferment automatiquement. Alors il faut faire vite. Eh ben, tu parles d'un foutoir. Que tout le monde se cramponne à quelque chose! Et voilà les renforts qui arrivent. Je dois vous avertir que Winter m'a fait rayer mon vaisseau préféré, chef. C'est ton seul vaisseau, Reed. C'est ton seul vaisseau. On a sécurisé le vaisseau. Ça va grouiller de Marines dans quelques minutes. Faut qu'on retrouve Bella. Voilà, défi terminé de Solid Jump. Donc voilà, grade supérieur 4. Mission terminée. Et nous gagnons pas mal d'expérience. Progression de la marine. Donc voilà, tu as réussi un défi, chaque défi réussi te fera gagner des points de grade et parfois des améliorations esthétiques. Tu peux consulter ta progression dans les défis en cours dans le menu échappe. Ah, c'est déjà bien. Voilà. Donc, première campagne, c'était déjà pas mal, donc voilà. Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là et je vais vous revoir dans la prochaine mission. Sur cela, je vais vous dire au revoir et à bientôt et portez-vous bien. Et à plus.